Hey, salut tout le monde, c'est Nico. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Moi, ça va super. Bah, écoutez, là ici, nous sommes sur Lucky Cube pour vous présenter un petit épisode un petit peu spécial. On est là actuellement sur le terrain, juste à côté du spawn. Vous voyez, c'est les fondations, les tracés du temple grec, le temple de la renommée, où seront entreposés les petits panneaux avec les noms des abonnés qui le souhaitent. Donc voilà, en tout cas pour vous dire merci aussi. Alors cet épisode sera un petit épisode spécial. Et oui, car le serveur accueille un nouvel arrivant, un nouveau joueur. Donc bah, je vous laisse découvrir tout ça. Et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Allez, à tout de suite. Bonne vidéo en tout cas. Tout est bon de ton côté? Ouais, c'est parfait. Bon bah vas-y, connecte-toi alors. C'est parti. Yeah! Ah bah t'es là! Coucou! Salut Nico. Salut Vivi! Alors, ça fait quoi d'arriver sur le serveur que tu vois en vidéo depuis des semaines? Oh bah, ça change de point de vue. Allez, Je viens, le vois viens! de l'intérieur maintenant. Allez, viens par là! Hop! Voilà, regarde, je te montre J'arrive, ici. mais tu triches, t'es à cheval. Ouais, bah attends, je vais le ranger mon canasson. Si j'arrive à rentrer dans l'enclos. Youhou! Allez. Il veut pas. Non, c'est un cheval dissident. Voilà. Hop. Toc. Alors. Bon, tout de suite, bah, tu peux dire bonjour à YouTube. Hein. Garde. Hop, Bonjour tout regarde. le monde. Voilà, donc pour ceux qui se poseraient la question, Vivi n'a pas de chaîne YouTube, donc il n'aura pas de point de vue sur sa bah, sur ce qu'elle fera dans le serveur. Bon, Vivi est là avant tout pour le téléphone dissident. C'est de Oh. mon côté, je suis désolée. Bon, Mais bon. c'est pas grave. Bon, ça arrive, c'est les aléas du direct, les amis. Bon, je disais, Vivi est là avant tout sur le serveur pour prendre du skill et se faire plaisir sur Minecraft, parce que bon, elle a démarré Minecraft il y a pas très longtemps. Et en fait, bon, pour la petite histoire, Bon, je peux expliquer si tu veux. ouais, mais pour la petite histoire IRL, Vivi est ma sœurette. Voilà, c'est ma petite sœur. Donc voilà, hop. Alors, donc, elle est là avant tout pour prendre du skill. Elle me confirmera ou pas. Et aussi parce que, bah, elle a testé, elle a commencé Minecraft il n'y a pas très longtemps. Et elle s'est vite ennuyée toute seule. Donc Ouais, parce voilà. qu'en fait, moi, mon point de vue, c'est que Minecraft, c'est un jeu qui est super intéressant, mais à condition d'être à plusieurs. Voilà. Et puis de Tout faire des. seul, ben, on n'a personne à qui parler. Et puis bon, on a vite fait de faire le tour, hein, tout seul. Bon, tu te fais une cabane, tu tues des monstres, tu vas battre le dragon. Bon, après, voilà. Alors, voilà Vivi, notre petit spawn ici, tranquillement, qu'on a aménagé. Donc, tu vois, on a, avec Marty, fait quelques cultures. Ah oui, je dis aussi, Marty n'est pas présent. Bon, il aurait aimé être là. Vous inquiétez pas, il est au courant qu'il y a un nouveau venu sur le serveur, hein, parce que bon, on en a discuté ensemble avant, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, ici, comme tu peux le voir, et en même temps, je le présente pour ma vue. La nuit tombe. On va faire un petit dodo pour être tranquille, parce qu'on va pas commencer avec du fight. Hop, il y a un lit juste derrière. Hop. Ah, bah voilà, vous pouvez voir dans mon chat. Les petits réglages qu'on a fait avant de tourner, voilà. Alors ici, comme vous allez le voir, j'ai commencé à faire quelques tracés des bases. C'est comme je vous disais, avec Marty, on a envie, bah, pour ceux qui nous suivent, en tout cas, parce que Marty et moi, nous avons une chaîne YouTube et des abonnés. Bah, en fait, on va faire un temple de la renommée. Donc ce temple va être de style grec ou romain. Tu vois un petit peu, Vivi, tu sais, rectangulaire avec toutes les colonnes autour. Tu sais, des escaliers, des colonnes, et puis un toit en pointe là, tu vois un petit peu le style? Comme le temple d'Artémis ou un truc comme ça. C'est un gros temple rectangulaire. Tu sais avec toutes les colonnes qui font tout le tour. Je sais pas Ouais, si. je vois maintenant. Voilà. Donc en fait, ici on va avoir bah, les escaliers qui vont monter sur le présentoir avec les colonnes et à l'intérieur il y aura le temple. Hein. Voilà. Donc en fait, ce temple de la renommée, en fait, on mettra tous les petits panneaux avec tous les noms de nos abonnés qui souhaitent figurer dans ce temple. Donc ben, vous pouvez commencer dès à présent, m'envoyer des petits messages MP si vous le souhaitez. Hop là, donc nous on va faire la visite du serveur. Je vous le dis, je vais
certainement pas tout record, ou alors je vais faire du montage pour vous présenter que les meilleurs moments. Donc voilà. Donc Vivi, je t'invite à me suivre. Ah, attends, avant. Je ne fais que te suivre. On a le petit coffre de bienvenue. Donc voilà, t'as un petit coffre ici. Donc il est pour toi. Donc tu prends le C'est contenu. pour moi? Voilà. Alors, avant de te Donc servir, c'est pas mon anniversaire? voilà, je montre un petit peu. Il y a quelques potions, il y a une pomme d'or, il y a un peu de viande, des torches, des outils et un stuff complet en fer avec des outils tout neufs. Donc voilà. Donc pour toi, bien débuter sur le serveur, comme ça t'es pas à poil comme nous on a commencé avec Marty. Et donc voilà. Tu peux récupérer le coffre C'est et le gentil, merci. coffre et le panneau aussi. Alors ici c'est la cabane du mineur, comme tu peux le voir, qui est noté sur le panneau. Parce qu'en fait, c'est notre toute première mine. Au départ, on avait un accès quelque part ici dans la terre. Et on avait bah, on a conservé la mine du spawn vraiment pour débuter. Ah bah voilà. Hey. T'es prête pour affronter les monstres. L'attaque! Ouais, à l'attaque. Voilà, Il est au donc. dragon! bah pas tout de suite, hein, parce qu'il faut avant des Enderman et puis qu'on récupère des Enderperles. Parce que là, on est un petit peu dans le caca. Donc, je vais te montrer. Ici, c'était tout rempli de sapins quand on a débuté avec Marty. Donc, tu as dû le voir sur les vidéos. Là-bas, on a le château démoniaque. C'est vraiment. C'était pour donner du skill à notre portail du Nether du spawn. Pour vraiment qu'il soit pas tout bêtement au milieu de la nature. Puis qu'on soit embêté avec des zombies qui traversent le portail et tout. Donc, je t'invite à venir me suivre pour venir le voir. Bon, ça gêne que moi, cela dit. Ouais, voilà. Bon. Et là, comme tu vois, c'est le petit château démoniaque, donc avec des douves de lave. Donc, faut éviter de faire les guignols ici. Hein. C'est bon, on va le payer. Tu payes cher. Bon, on va aller faire un petit tour là-dedans, là. Comme ça, les abonnés. Donc, là-haut, en haut du château, il y a notre salle à potions du spawn. Donc, qui est toute récente, hein, qu'on a commencé à faire des potions très récemment. Il y a un ou deux épisodes. Donc voilà. Hop. Donc comme tu peux voir, on est Ah ouais, joli équipé. stock, hein. Bah, et encore, c'est juste un début, quoi. On n'a pas tous les ingrédients en masse pour pouvoir faire tout ce qu'on veut, quoi. Mais bon, ça commence. Et puis au sous-sol, ben, c'est la petite réserve de Netherwart, là, de la verrue du Nether. Avec des petits champignons. Voilà, quand on veut faire des potions inversées. Donc on met un petit champignon avec bah avec un œil d'araignée, hein, pour faire un œil d'araignée fermenté avec du sucre. Donc là ici ne pas percer les roches parce qu'on a les douves de lave juste au-dessus. Tu vois les petites gouttes de lave qui tombent. Là ça serait vraiment le boulet. Bon on va aller faire un petit tour dans le hub du Nether pour te montrer un petit peu. Donc Ouais, vas-y. Alors, pour ceux qui voudront avoir des infos sur ce que Vivi fait, etc., dans l'aventure, faut savoir que bah, elle va nous aider à builder tous les gros bâtiments en multi. Donc, comme par exemple le temple, etc., elle va nous aider en off-cam, on fera du minage, etc. Et puis, on fera du build ensemble dans les vidéos multi. Et pour ce qui est du solo, ben si elle a envie de se faire une cabane ou je sais pas quoi, une maison, une salle des coffres, ce qu'elle veut, ben, de temps en temps, quand on fera un world tour, on ira visiter chez Vivi pour vous montrer ce qu'elle fait, comment elle avance, etc. Donc voilà. Donc ici Vivi, tu peux voir, on a du four automatisé puis du four classique pour faire que de la brique du Nether parce qu'en fait tout le toit du temple de la renommée sera en brique du Nether. Donc voilà. Ah, ici on a un tunnel d'explo. Donc on ira faire un tour après. Je suis juste derrière toi là. Ah, t'es là. On a un tunnel d'explo. Donc on ira par la suite. Là ici on a le tunnel qui amène au désert que j'ai découvert en faisant un petit peu d'explo et qu'on a été piller le temple du désert avec Marty. C'est là même qu'on a récupéré nos caisses de TNT, etc. Donc c'est pour ça qu'on a déjà de la TNT dans nos coffres. Et puis ici c'est mon fameux tunnel. Donc voilà, donc au bout il y a des portails. Je suis en train de rechercher un spot, un beau spot. Donc voilà. Et là-haut, nous avons nettoyé jusqu'à la bedrock pour utiliser un bug de Minecraft pour pouvoir percer le plafond du Nether. Donc grâce à une Enderpearl, on va passer au travers.
Et ensuite, grâce à des pousses de chêne noir et de la terre, et puis bah, beaucoup de poudre d'os, on va faire pousser des chênes noirs, ce qui va nous permettre que ça va remplacer des blocs de bedrock par des bûches, et en fait on pourra les casser avec une hache. Je suis repassé par le portail, hein, Vivi. Donc grâce à ça, on pourra accéder sur le toit du Nether, et on se fera une ferme à or avec les pigmen. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait tomber ton ordi? Je serai plus là. Voilà, donc le spawn va te servir essentiellement à avoir du matos de base pour toi te trouver un spot. Parce que bah, à la base, c'est ça que tu veux faire. T'as envie de builder avec nous et puis bah, ne pas non plus jouer toute seule. Donc voilà, comme je l'ai annoncé, on va faire donc du build en multi, donc tous ensemble sur des projets en commun. Et chacun aura aussi l'opportunité d'avoir une base perso comme les joueurs d'Holicube, donc sur le serveur Holicube. Donc en fait, on reprend plus ou moins le même principe parce que ben, c'est un serveur communautaire, on s'entraide, on fait des projets en commun, des projets en solo et on s'amuse très très bien. Donc tes premières impressions, Vivi, pour YouTube, parle à la caméra. Non, je peux pas, je suis trop timide. Ah, ok. Non, voilà. Non, mais sinon c'est bien, franchement. Tu peux récupérer ton coffre si tu veux. Comme Oui, ça bah te fera vas-y. déjà un coffre pour du rangement. Oups, je me fais encore guaquer par les portes. Hop. Et je te montre sur le balcon. Regarde, une de mes expéditions Nether où ça m'a valu 2 morts. J'ai réussi à looter en tuant du Wither squelette une première tête. Donc il nous en manquera 2 pour faire le Wither boss. Donc pareil, hein, tous les boss. Bah pour le dragon, on le fera tous ensemble. Pour tous ceux qui seront présents sur le serveur. Parce que je vous le dis, j'ai ouvert une campagne de proposition de nous rejoindre sur le serveur. Donc le serveur est quand même privé et whitelisté. Donc en fait, au départ, c'est le serveur nous appartient à Marty et à moi. Donc en fait, c'est nous deux qui décidons un petit peu qui c'est à qui on va proposer de venir jouer, etc. Et puis on lui fait une proposition. S'il veut nous rejoindre, il nous rejoint. S'il veut pas, il veut pas. Et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc là, il y a eu des invitations qui ont été envoyées. Donc un petit peu, on est en discussion. Donc voilà. On aura peut-être bientôt beaucoup de monde hein, sur le serveur. Pour l'instant, c'est à 8 places. On n'est que 3. Donc on peut encore ramener 5 personnes. Donc à 8, je pense, on peut faire déjà pas mal de belles choses. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Vivi, mais. À 8 personnes, on peut Bah plus on est faire fou, moins y a de riz. de. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Tiens, c'est une. T'aurais pas regardé, toi, les Holicubes avec les Onigiri? Non, parce que. Non, en Non, général parce je que. regarde que Fanta et Bob. D'accord. Parce qu'en fait, au tout début de l'aventure Holicube, la team Onigiri, en fait, ils ont demandé pourquoi ils s'étaient appelés Onigiri. Et en fait, cette phrase que tu viens de sortir, plus on est de fous, moins il y a de riz, bah, en fait, est une des phrases que Juju a sorties lors du tout premier live, du live Onigiri sur le serveur Holicube. Donc voilà. C'est pour ça que je te demandais si tu Oui, avais parce que suivi. cette phrase, elle est très connue. Oui, bah oui, c'est sûr. Bon, voilà, Vivi. Bon, bah, nous, je pense qu'on va voir, on va travailler en off, on va faire du minage. Si Vivi a des choses à me demander par rapport au serveur, ben voilà. Et puis on se retrouve prochainement. Je pense que dans le prochain épisode en multi, on va bosser là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de terraforming à faire. Donc faut virer de la terre, faut en rajouter à certains endroits. Et puis il va falloir qu'on casse du cube, hein, Vivi. On va se farcir la mine du spawn, mais je pense que elle va prendre un coup dans les dents, mais elle va pas s'en relever la mine. Cela, il va nous falloir de la cobble, mais. De la cobble, mais je t'explique même pas. Donc voilà, ben, c'est sur cette nuit qui se couche qu'on vous laisse et on se retrouve ben, très Non, la proche. nuit, elle se lève. Oui, la journée se couche, pardon. Donc on se retrouve bon, on se retrouve prochainement pour un épisode solo ou un épisode en multi. Allez, allez, à plus et salut Vivi. Salut Nico, au revoir tout le monde. On pioche tic-tac du matin jusqu'au soir. On va ravager la mine du spawn, on va tout déglinguer. Quelle mine?
Il y avait une mine ici? Ouais, après ça va être ça va plus être une mine optimisée, ça va être un énorme chantier en fait. Ouais, ça c'est clair net. Je vais peut-être remettre des pioches, des torches. Hop là, impeccable. Ah ouais, il nous faut de la cobble à foison, hein, donc il nous faut de la cobble, la cobble. J'entends de la lave. Vivi, je te vois plus, t'es loin. J'entends de la lave depuis tout à l'heure, Pioche. ça m'inquiète. Tu vas au coffre des ressources, tu te fais une pioche en diams, s'il y a du diamant. De toute façon, les ressources du spawn sont des ressources en commun, c'est pour tout le monde. Bon, après, c'est sûr que si tu te fais une base et que tu te fais une mine à toi, c'est clair que ça sera tes ressources. Après, si tu as envie de dépanner quelqu'un ou quoi que ce soit, libre à toi. Mais voilà, ici, les ressources du spawn, c'est pour tout le monde, quoi. S'il n'y a pas de bois, il faut remonter à l'étage et chercher du bois. C'est quoi ce Si, bordel? si, il y a du bois. Caverne, caverne. Quoi, c'est le tunnel d'en dessous? Je vais reboucher tout ça. Ça, à mon avis, ça devait être blindé de gravier ou alors c'était du charbon qu'il y avait ici. Hop, ah, mais attends. Je vais essayer de récupérer mes blocs. Voilà. Hop. Alors, on va boucher tout ça. Ça grugru, j'entends des zombies. Des zombies. Tu veux que je te rejoigne, qu'on fasse un petit peu de ménage tranquillement? Bah, je sais pas où ils sont, donc c'est ça le problème. Bah si tu les vous trouves. Ouais, bah ouais. Au moins, ça te fera gagner de l'XP. Je me demande s'ils sont pas dans une caverne à côté ou. Ah, ce qui est bizarre, une caverne à côté, y a pas de caverne à côté vu que c'était des galeries à la base de mine optimisée. Et en Ils dessous. doivent pas être dans les murs. Et en dessous, pareil. Ah, ça y est, le gravier qui te tombe sur la tête. Ah, ça, faut faire gaffe parce que tu peux avoir des dégâts de suffocation et tout avec ça. Ouais, ça fait un beau truc, hein. Je sais pas si on est dans un chunk à slime, mais s'il peut y avoir des slimes qui spawnent ici, ça serait rigolo. Sur le grand plateau. Ça serait rigolo. Je sais pas combien t'es au niveau de ton inventaire, au niveau de la cobble. Oh, je peux compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stacks de cobble plein. Et un qui commence à être fait. Ah, quand j'étais me refaire une pioche, j'en avais déposé 3. Dans le coffre. Façon, on va se charger notre inventaire et on va tout remonter là-haut, hein, sur le chantier du temple. Comme ça, on aura tout à disposition. S'il faut faire cuire, on a les fours semi-automatisés là-haut. Il suffit juste de mettre des trucs à cuire. Parce que y a déjà une réserve. Impressionnante de ceux de lave, donc voilà. On va mettre des petites torches. Ah tiens, j'entends de la lave. Ah bah, fais attention. Si j'ai pas envie de voir ta première mort. Surtout si Bah c'est pourtant ma. je suis dans un endroit où il devrait pas en avoir. Il y en a pratiquement partout de la lave. Hein. Quand tu regardes bien, il y a même des moments quand tu te balades, tu le verras quand on se baladera sur le serveur. Mais il y a des endroits, il y a même des lacs de lave à la surface. Ah, je veux dire là où je veux dire j'ai un tunnel au-dessus, un tunnel en dessous. Il Mais doit y avoir de lave. tu l'entends d'assez loin la lave. Puis toi, le côté que t'as pris là-bas tout au bout, c'est pas très loin du. Ah bah, je vois tes effets de particules que t'es en train de piocher. Ouais, je disais, t'es pas loin. Tu longes le couloir du métro. Et en fait, le couloir du métro, il longe une faille où il y a de la lave. Il y a même la mine abandonnée qu'on devait aller se faire avec Marty, qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller faire. Donc, je vais voir avec lui s'il y a un petit moment à consacrer pour se connecter.
et pour qu'on aille se faire cette mine abandonnée. On peut trouver pas mal de bons trucs hein, là-dedans. Donc, il y a des spawners à araignées. Donc, certainement des araignées des cavernes là. Donc, du coup, ça, on peut se faire pas mal d'XP aussi. Ça nous permettra de récupérer des toiles là pour faire des ficelles. Je suis juste derrière toi, hein. Je me promène, je regarde. J'ai vu, j'ai Toi, t'as vu. été loin. Ouais, et encore. En général, quand j'ai commencé à faire la mine opti, on n'avait pas de diamants. Donc, en fait, j'usais. Ouais, il y a de la lave. Non, T'entends? j'ai entendu un grognement de zombies. Ouais, mais à Ils sont côté. juste là. Ouais, mais à la base, il y a que 3 d'espace. Et ensuite, c'est le couloir de l'autre côté. Bah, attends, on va finir ce couloir-là. Et puis, on va se mettre à deux, là, sur le gros bloc, là. Bon, attends, j'arrive. Et après, on ira voir les zombies. Ouais, ça a bien rasé, là. Hein. Ça va nous faire un beau plateau. Ah, c'est là-bas que tu dis que t'as des squelettes? Ouais. Bah, il est peut-être parti, hein, vu que j'ai bouché. C'est là, ici? Ouais, le mur. Là, il est là. Là, 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 le mur en brique. En pierre. T'es où? Je viens de passer par la cloison, là, ici. Oh, c'est parce que c'est pas assez éclairé, ici. Attends, on va éclairer la caverne un petit peu. C'est quoi tout cette merde, là? Ouais, les amis, ce que je vous disais là, hop. Là, c'est le tunnel du métro. Je suis en train de recorder un petit peu Vivi pour leur montrer à nos abonnés ce qu'on est en train de faire. Donc, on a vu la paroi blanche de neige. Regarde, si tu montes sur la pile de gravier, monte et regarde droit devant toi. Tu vois le blanc? Ah ouais, je le vois. C'est la neige du couloir du métro. Là, ici, pareil, il y a énormément de lave. Donc, ici, c'est notre usine à. Quoi, notre usine? Notre ferme à obsidienne. Donc si t'as besoin de récupérer de l'obsidienne avec ta pioche en diams, c'est si tu veux te faire un portail dans le nether pour trouver une petite base, bah tu viens ici. Tu viens avec un seau d'eau, tu verses. Puis tu connais la technique de quand tu dois miner de l'obsidienne, tu te mets là, hop, pour pas perdre tes blocs. Tu prends ton seau d'eau, tu le verses dedans. Donc du coup t'as toujours une réserve d'eau. Et quand tu mines le bloc, bah, s'il y a un peu de la lave à côté, l'eau, elle va aller plus vite à saisir la lave que ton bloc allait brûler dedans. Donc comme ça, tu perds D'accord. pas tes items et toi, tu risques pas de tomber non plus dans la lave. Fais attention, c'est risqué ce que tu fais, Vivi. Recule-toi, je vais éteindre de la lave là. Ah bah. Voilà. Faut absolument bien éclairer. Alors dans les cavernes, il y a une règle d'or aussi quand tu descends en caverne. Toujours mettre les torches à droite quand tu descends dans la profondeur de la caverne. Comme ça, quand tu remontes, tu cherches les torches à gauche. Et si tu te perds, ben, quelqu'un peut te retrouver facilement. Mais écoute, ici, du coup, on va peut-être pouvoir poutrer tout ça, là. Et on va refermer correctement. Sinon, si on éclaire bien, théoriquement, il n'y aura pas de spawn de monstres. On a vraiment besoin de ressources. Ah, il y a du charbon là-haut. Il y a même du fer. Ouais. Cette caverne-là, on devait la faire à fond avec Marty, mais comme je te dis, on n'a pas eu le temps. Bon, Marty, il est un petit peu déçu quand même hein, que tu qu'il soit pas là pour t'accueillir sur le serveur. Ah, il y a du fer aussi là-haut, là. Mais comme il dit, il fait bon, c'est pas grave, on aura toute l'occasion de jouer ensemble. Ah, dis donc, je suis tombé sur une belle veine de fer, moi, encore. Je vois une silhouette d'araignée là-haut. Ah, punaise, je suis fou l'inventaire. Attends, j'ai encore deux places. Viens. T'as du fer déjà sur toi? Oui. Attends, je descends. Voilà. Voilà, c'est récup. Alors, ce qu'on va faire ici, pour pas que les mobs y passent, il faudrait qu'on aille à la table de craft et qu'on se fasse des barrières en cobble. Parce que les mobs, Je te suis. ils peuvent pas passer au-dessus des barrières. Mets une torche à terre ou deux là, parce que là, comme je suis en train de creuser. Essaye de récupérer la cobble parce que moi, je suis full inventaire. T'as failli te prendre un coup de pioche. Fais super attention parce que le PVP et tout est activé. Hein, donc. Et tu vois ici, on va se mettre tout le long ici de la.
De la corniche, on va se mettre des barrières en cobble. Ça, les mobs, ils peuvent pas passer. Le seul truc que tu peux craindre, c'est éventuellement une flèche de squelette. Mais bon, si t'entends le... Bon, bah, tu t'en vas, quoi. Alors, attends. Barrière de cobble. Je vais en faire... Tu sais comment on en fait, des barrières de cobble? Non. Tiens, je t'en donne. On va l'en poser. On va sécuriser un petit peu tout ça. Ce qu'on va faire, on va remonter, hein. Je pense on va aller se vider dans les coffres du chantier du temple. Nom de Dieu, le plateau que ça fait. Ça, Je vois même pas. c'est du plateau. Ben, moi, je te vois légèrement là-bas. Ah, je te vois, ça y est. Banzai! Moi, je suis full inventaire. Je vais virer la redstone, la terre que j'ai sur moi qui me sert à rien. On va remonter là-haut. Attends, la terre. Qu'est-ce que je peux virer? J'ai pas grand-chose à virer. Je vais reprendre des pierres là. Ah si, j'ai du fer. Il faut que je vire le fer. Il est où? Il est là, 6 fers. Ah, on a bientôt 3 stacks à faire fondre. Du coup, mes places d'inventaire de libre, je mets de la cobble. Bon, t'es full cobble ou pas, toi? Ah, j'ai encore de la place. Bah, prends-en dans le coffre, t'es où? Tu te charges un max, comme ça on va aller les vider là-haut. On va les se vider là-haut. Je vais te dire s'il fait jour ou pas. Voilà, je suis plein. T'es déjà remonté? Ouais, je suis en train là. Maintenant, t'as pied. Oh. Tu l'as filmé celle-là? Ah ouais, c'est en train de record là. Et ouais. Je t'ai dit après tout va être... il y aura un beau montage qui va être fait. Ah mais à chaque fois je me fais guéquer par ces portes. Je te jure, je vais pouvoir faire un bêtisier de Lucky Cube le guac des portes. À chaque fois je me prends la porte dans le nez. Ouais, C'est c'est pas plus une possible. hypnotiste, t'es un mec de boutons. Bah ouais, mais en même temps, si on met des plaques de pression, bah déjà à l'extérieur on peut pas parce que les zombies, s'ils marchent dessus, ils vont ouvrir la porte, ils vont rentrer, donc c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors Ouais, attends. t'as cette allure, autant laisser la clé sous le paillasson. Je te montre ici. Ici c'est de la stone, de la pierre lisse. Là ici on a de la cobble. Là ici on a des dalles. Là ici des dalles mais de cobble. Là ici de la nether brick que j'ai commencé à ramener du nether pour faire le toit. Et là c'est la dirt que j'ai commencé à virer. Alors comme on va avoir énormément besoin de dalles, tu sais les dalles là-bas, les dalles d'escalier, elles doivent être faites en stone, en pierre lisse. Et la stone on a quoi? Seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même pas 8 stacks. Donc ce qu'on va faire, tout ce qu'on a remonté on va le mettre dans les fours, ça marche? Ok, ça Donc tu marche. vises le coffre tout en haut et tu remplis. Non, pas les flèches. Les flèches, ça, hein, ça va pas brûler. Tout en haut. Tu verras, de toute façon, je suis déjà en train d'en mettre de la cobble. Voilà. Ok. Alors, attends, ce qu'on va faire. Je te montre. Le double coffre qui est derrière avec les hoppers, là, les entonnoirs, c'est le combustible. Donc c'est là-dedans que normalement tu mets soit les seaux de lave, les stacks de charbon, les bûches, tout ce que tu veux, c'est pour faire chauffer le four. Alors ce qu'on va faire, on va vider les doubles coffres ici. Moi je vais prendre toute la stone brick. Faut virer tout le charbon, on va le virer. On va laisser de la place pour la cobble. Voilà. L'autre côté pareil. Et voilà. Hop. On va mettre le seau ici. Là, ça tombe direct dans les Dans les coffres, en coffres, ouais. fait. Ouais. J'ai plus de place pour récupérer le charbon de bois ici, Vivi. Il reste presque 4 stacks. Est-ce que tu peux les récupérer dans le coffre? Et on va les mettre ici. Les charbons de bois. Parce que tout ça servira à faire nos centaines et de centaines de torches. Si le terrain n'est pas encore complètement torché. Il y a des cavernes, il y a beaucoup de cavernes dedans, donc va falloir les tout torcher pour pas qu'il y ait des monstres qui apparaissent dans le temple. Les briques, il faut que je les crafte. Est-ce que t'en veux une partie pour crafter des briques? Tiens.
Tu les mets dans ton inventaire, ça fait de la brique du Nether. Et après, il y a un coffre de briques du Nether, tu mets dedans. Tranquille. Hop. Ici, celui-là là-bas. Impeccable. Bon, il m'en reste 63. Je vais essayer de crafter quand même des briques avec. Hop. Voilà. Voilà. Toc. Impeccable. Bah, d'où il sort, lui? Ah punaise, j'en sais rien. Ah, il m'a sauté à la tête. Ah, il a tout Était là. défoncé. Ouais, il était juste là. Attends, hop, je suis une torche. Ça doit être mal éclairé quelque part. Ah, ça a dû spawner dans la mine peut-être. Attends, 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 attends. On va vérifier ça. Attends, une potion de santé. Hop. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça va pas ça. Ça va pas ça. C'est que c'est mal torché ici. Alors, d'où ils sortent mes amis les creepers? Creepy, creepy. Ah, il doit y avoir une petite zone qui doit être limite, limite à 7. Tu sais, dans ce qu'on a miné, Vivi. Oh là là. Pff. Même ici, les creepers, ils me trollent. Même ici. Bon, faut des escaliers de cobble pour refaire les marches. Attends, je vais m'occuper de ça. Bon, je serais d'avis, c'est, je sais pas, mettre un mur provisoire avec une porte en attendant. Ouais, faudrait se mettre une porte ici, ouais. Bon, moi je vais me déco, Nico. Ouais, ça marche. Tu filmes pas là. Si, j'ai filmé au moment où je me suis fait péter la tête. Bon, de toute façon, tu pourras couper au montage au pire. Ouais, non, mais t'inquiète. Et ben voilà les amis, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, j'ai coupé un petit peu au montage, j'ai mis des petits moments, des petites brides de minage, etc. J'ai pas réussi à record tout de suite quand le creeper a pété dans la mine. Bon, bah, va falloir que je me refasse un casque aussi. Voilà, c'est les aléas. Hein. Bon, voilà, les amis. Bah, écoutez, bah, moi, je vous dis à très vite, que ce soit pour un épisode en solo ou en multi. Allez, salut à tous.